Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Donc le thème de cette vidéo ça sera pour chaque forme en fait sans hijab. Donc j'avais fait déjà un article, je pense que ça fait maintenant un an, sur mon blog, mais on m'a demandé de le faire en vidéo. Donc je vais reprendre le même article que je vais vous faire en vidéo. Donc si de temps en temps je regarde en bas, c'est normal, j'ai mon portable. Donc voilà. Donc on va commencer de suite. Donc chaque forme a son hijab. Quand je dis chaque forme, c'est chaque forme de visage. Voilà, il y a des façons de hijab qui vont pas aller avec certaines formes de visage, etc. etc. Donc il y en a beaucoup qui disent oui, le hijab c'est pas une mode, blablabla. Ok, il y a pas, je suis totalement d'accord avec ce sujet là. Par contre, prendre soin de soi n'est pas interdit dans la religion, loin de là. Donc après, mettre un hijab couleur sombre tout simplement si on n'aime pas les couleurs ou autre, et de le mettre avec une façon qui reste dans les normes du hijab n'est pas interdit. Donc prendre soin de vous les filles n'est pas interdit dans la religion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent tout et n'importe quoi, et non et non et non, de prendre soin de soi n'est pas interdit dans la religion. Une femme on peut être très belle sans faire des tonnes, sans se maquiller à fond, sans faire un hijab avec plein de volume ou autre, et être mustoura et bien habillé et être propre. Voilà, moi pour moi c'est ça les principes. C'est pas parce qu'on porte un hijab qu'on doit se négliger, qu'on doit mettre des choses qui sont hyper larges, limite on se noie dedans quoi. C'est pas ça, non, je ne suis pas d'accord. Après voilà, chacun a son point de vue sur la chose. Il y en a qui vont être d'accord avec moi, d'autres non, il n'y a pas de problème, je respecte votre choix, respectez le mien, tout simplement. Alors, donc on va commencer avec les formes, et je vais vous dire. Donc pour un visage rond, donc le visage rond, alors je vais vous dire ce qu'il faut faire. Lorsqu'on a un visage rond, il faut éviter de serrer le hijab. Trop serré ici, ça va faire ressortir votre visage, ça va faire ressortir les joues, ce que vous voulez quoi. Et on va vous allez paraître encore plus avoir, je dirais pas grosse, mais avoir, parce qu'il y a des gens qui ont un visage bien rond et au final elles sont très minces au niveau du corps quoi. Mais celles qui ont le visage rond, si vous le serrez trop, vous allez avoir un visage encore plus gros, tout simplement. Voilà, c'est clair et net, voilà. Donc, comme je vous ai dit, il faut éviter de le serrer pour ne pas avoir une tête vraiment trop grosse. Alors, le conseil pour les filles qui ont un visage rond, il est très simple. Alors, c'est ne pas serrer son hijab. C'est pas non plus de montrer son cou, mais là, exemple, moi je trouve... Je dirais pas que j'ai un... Je sais pas si j'ai le visage rond ou ovale, mais voilà, j'ai des petites joues et tout, quoi. Je ne suis pas mince au niveau du visage. Et voilà, là, pour moi, c'est pas serré. En fait, quand je dis serré, c'est vraiment faire comme ça et carrément que tout ressort, quoi, et que ça soit pas bon. Donc là, c'est pas serré, on ne voit pas le cou. Et pour vous dire que vous pouvez faire des très belles formes sans serrer votre hijab et sans qu'on voit votre cou. Donc voilà. Alors, je continue. Alors, porter un hijab plus fin, c'est vrai que les matières plus fines vont faire paraître votre visage aussi. Ça va aussi jouer au niveau de cet effet-là. Donc voilà, c'est des styles de pashmina qu'on achète au marché. Ça, c'est un, je trouve que c'est, il est très fin aussi, donc c'est très bien aussi. Après, il y a plein de hijabs, voilà. Il y a des hijabs aussi carrés pour celles qui aiment le hijab carré, qui sont très grands et qui sont très fins. La matière est, je sais pas si on peut appeler ça du viscose ou comme ça, une matière comme ça, quoi. Voilà, pour vous dire. Alors, si vous aimez quand même le volume et que vous n'aimez voilà, du volume, ce que vous pouvez faire pour qu'on ne voit pas que votre visage soit plus gros ou autre, donc comme je dis, vous ne serrez pas au niveau d'ici, mais par contre, vous pouvez jouer avec un effet un peu de volume ici. Quand je dis un effet volume, c'est pas la grosse bosse ici, c'est pas du tout joli, donc on oublie. Donc c'est vraiment avec son hijab de faire soit des petits trucs comme ça, des choses comme ça, ou de faire deux tours avec son hijab pour avoir un peu plus de volume, pour pas qu'on reste fixé sur votre visage, mais que tout ça en fait joue au niveau de ce volume là et ça va mincir votre visage. Donc voilà, le conseil en tout cas pour les filles qui ont un visage rond, c'est de ne pas serrer son hijab, de ne pas mettre des hijabs très épais et de jouer plus avec un hijab un petit peu desserré ici et de faire un plus un volume autour de la tête. Donc voilà pour les filles qui ont un visage rond. Ensuite on va passer au visage carré. Donc avec un visage carré, il faut casser
En fait, il faut casser tout ce côté-là trop carré qu'en général, quand les filles ont quand les filles ont un visage carré, quoi, tout simplement. Alors, je lis tout ce que j'ai marqué parce que c'est vrai que c'est pas évident de. J'ai pas envie de vous le lire comme ça va faire trop. Voilà, lieu à la. Que je lis, je lis, je lis, ça va pas faire joli du tout au niveau de la vidéo. Donc, c'est pour ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est au niveau du front, mettre un hijab avec un bandeau très haut. Donc, en fait, vous commencez à partir de là. Donc, voilà, ça va arrondir ici votre. En fait, de bien remonter votre bandeau. Et ça va éviter. En fait, ce que ça. Je vais vous expliquer comment, pourquoi je dis ça. C'est qu'en fait, grâce à du bandeau, de la forme du bandeau, ça va arrondir votre tête. Et votre hijab aussi va arrondir votre tête. Donc on va éviter ce côté trop carré en général quand les filles. Bon, je rajoute quand je fais ça. Mais en général, il y a des filles qui ont le visage très marqué, très carré. Donc c'est vrai que ça fait bien comme ça la mâchoire, on voit que ça. Donc en mettant un bandeau bien haut, donc il y aura la forme du bandeau, plus un hijab bien haut. Donc après, bien haut, on reste sans montrer bien sûr ses cheveux. Donc ça va casser ce côté trop carré du visage. Donc voilà pour le conseil pour les filles qui ont un visage trop carré. Pour les visages ovales et fins, donc on va dire presque toutes les formes vous vont, tout simplement. Donc personnellement, je trouve que toutes les formes vont au visage ovale. Après, ça dépend. Si on a le visage ovale mais avec un peu de joue et tout, non, je suis pas tout. Voilà, le serré ne vous ira pas. Mais si on a le visage fin et ovale, tout vous va. Donc voilà quoi. Et ne serrez pas trop par contre votre visage parce que ça va grossir ou l'inverse, effet inverse. Si vous êtes trop maigre, ça va le maigrir encore plus. Donc voilà, c'est vrai que quand on serre trop son hijab, si on est trop mince ou trop ronde, en fait ça va faire l'effet voilà, l'effet non souhaité. Donc si on est trop ronde, ça va encore rendre le visage trop rond. Ça va faire un visage. Comment vous expliquer? Trop serré, ça va faire un visage bouboule quoi, tout simplement. Et si il est votre visage est fin mais vous êtes très fine quoi, ça va faire encore plus creux et ça va faire squelettique tout simplement aussi. Donc voilà pour les visages fins et ovales. Et je pense que jouer avec les bandeaux, les hijabs peut donner un effet, voilà, peut casser cet effet trop fin, justement, si vous avez un visage trop trop fin. Voilà, c'est de jouer avec des couleurs et tout, de bandeaux, de faire les bandeaux croisés, de mettre un peu plus de volume au niveau du hijab. Quand je dis volume, parce que je sens que les commentaires vont. Ça va partir en live au niveau des commentaires. Quand je dis volume, ce n'est pas les bosses ou de faire un chignon haut, c'est vraiment de jouer un volume très simple avec son hijab et ce n'est pas je ne parle pas du volume ici mais vraiment au niveau d'ici. Donc voilà, ce n'est pas la peine de me saouler avec les commentaires ou c'est haram ou pas haram, c'est vraiment par rapport à ça quand je parle du volume. Donc voilà, je crois que j'ai fait tous les visages. Donc j'ai fait visage fin, ovale, visage carré et visage rond. Donc voilà, visage rond à éviter de serrer. Visage carré, mettez plus des bandeaux et des foulards bien hauts comme ça, votre visage va s'arrondir. Un visage fin, ovale, ne serrez pas trop parce que si il est trop fin, vous allez ressembler, comme je dis, ça va faire squelette. S'il est un peu rond, ça va faire trop bouboule quoi. Et voilà, mais jouez avec beaucoup d'effets au niveau des croisements des hijabs et tout parce que ça va vous voilà, ça va vous apporter un petit plus au niveau de votre visage en sachant que même si presque tous les hijabs vous vont, donc c'est plutôt cool pour ça. Donc voilà, au niveau de ça je crois avoir tout dit. Et sinon le dernier conseil c'est de mettre son hijab comme vous kiffez vous, tout simplement. Moi c'est des petits conseils que je vous ai donné, après c'est à prendre ou pas, c'est à vous de voir. C'est une vidéo qui m'a été demandée donc c'est pour ça que je l'ai faite. Et par contre voilà, mettez votre hijab de la façon où vous sentez le mieux, où voilà, vous êtes à l'aise, parce qu'un hijab si étant donné que c'est voilà, on sort avec, on travaille avec, on est dans un pays où on peut travailler avec ou dans une société qui accepte. Et c'est comme des vêtements, c'est un vêtement tout simplement. Un vêtement, si on met des vêtements qu'on n'aime pas ou on ne se sent pas à l'aise dedans, toute une journée on va pas se sentir à l'aise, on va pas se sentir bien, donc ça ne sert à rien. Si il y a une forme de hijab que vous sentez, la mieux dedans, on va dire quoi, vous gardez cette forme de hijab parce que voilà, le but
dans la vie de tous les jours, c'est se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête. Et voilà, je pense qu'on a assez de problèmes dans la vie de tous les jours pour en plus avec les vêtements et tout se prendre encore plus la tête, tout simplement. Donc voilà, donc portez votre hijab comme vous le sentez les filles. Et voilà, soyez fiers de ce que vous êtes et comment vous êtes. C'est surtout ça le plus important. Assumez-vous tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salam alaikum les filles.